Salut tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo abordant un archétype d'équipement se voulant optimiser pour la route de l'acier. L'élément principal de ce build est la Warframe Zaku dont les schémas sont obtenables en récompense des missions de la mer dans le puits de cambio. Notre build sera majoritairement axé sur la puissance, la portée et la durée de pouvoir afin de sublimer les différentes compétences de Zaku. Nous apportons 209% de puissance à l'aide d'intensité Umbra, Colère aveugle et Art de la puissance permettant à notre compétence 3, Regard, de retirer 100% des défenses des ennemis comprenant l'armure et les boucliers. Pour retirer 100% des défenses ennemies, Faudra au minimum 200% de puissance. A côté de ça, cela permet d'apporter 54% de dégâts du néant supplémentaire sur la compétence 1, tout en augmentant les dégâts faits par les armes volées par notre compétence 2. Nous apportons 265% de portée à l'aide de super étendue, allonge et influence de l'augure, permettant une portée de 40 mètres pour voler les armes ennemies et leur offrant une portée de 20 mètres une fois à vos côtés. Cette portée importante permet de retirer l'armure dans un rayon de 31 mètres autour de l'ennemi ciblé initialement. Avec deux ennemis cibles bien positionnés, vous pouvez ainsi retirer l'armure sur un diamètre d'environ 120 mètres, ce qui est plus qu'intéressant. Notre vie intemporelle bénéficie sera quant à lui, d'une portée de 66 mètres, ralentissant les ennemis touchés par les shrapnels de Zako à hauteur de 52% en les rendant plus vulnérables aux dégâts du néant. De plus, vous bénéficierez d'une vitesse accélérée et de 75% de chances d'esquive supplémentaires vous permettant de ne prendre que très peu de dégâts si vous bougez un minimum. Nous apportons de la durée à l'aide de continuité accrue, permettant à notre compétence 2 de durer 18 secondes et notre compétence 3 de durer plus de 20 secondes. En complément de notre compétence 4 durant 38 secondes et permettant de figer le décompte des autres compétences, cela nous permet de cast nos compétences que très rarement. Afin de mieux supporter notre faible efficacité, nous nous jouons flux accru permettant de monter à 650 d'énergie, siphon d'énergie ainsi que l'arcane énergétique. Pour compléter le build, nous jouons vitalité Umbra permettant plus de résistance en compagnie de l'arcane magnification pour opérateur, offrant 300% de régène d'HP sur entrée de transférence ainsi que dash Vazarin permettant lorsque vous effectuez un élan du néant sur votre warframe de devenir invulnérable pendant 5 secondes tout en régénérant 60% de vos HP. L'arcane gardien vient compléter l'aspect survivabilité de notre zakon. À présent, c'est plutôt simple. Vous récupérez 15 armes ennemies à l'aide de votre compétence 2. Vous utilisez votre regard afin de cibler un ennemi et retirer l'armure dans un diable. De 60 mètres, et vous castez votre compétence 4 afin de figer votre cooldown. Par la suite, vous activez votre compétence 1, et vous n'avez alors qu'à vous balader sur la map en voyant les greeners sans armure se faire one-shot par leurs propres armes. Restez nous de même vigilants aux acolytes retirant vos compétences, ils resteront toujours pénibles. Je joue avec Zaku, le Vulpa Fila Panzer, car celui-ci permet des dégâts additionnels à l'aide de ses sports, ainsi qu'une capacité à se régénérer de façon autonome, le rendant indépendant. Il reste adaptable à votre convenance. Le principal DPS sera fait à l'aide des armes volées aux ennemis, leurs dégâts étant adaptatifs. Vous pouvez alors vous équiper des armes que vous souhaitez. Dans la partie j'ai choisi le tronma permettant avec son attaque chargée de détruire les acolytes facilement. De plus, son temps de rechargement pénalisant l'est beaucoup moins lorsque vous avez 15 armes pour vous couvrir. Pour l'arme secondaire, je joue le sport lesser, offrant de bons dégâts de zone, toujours utiles à l'aide de l'arcane pack charge lui permettant des munitions infinies. A mon sens, Zaku privilégiera un gameplay à distance afin de profiter du meilleur angle de vision pour tuer un maximum d'ennemis, rendant l'utilisation des armes de mêlée moins pertinente. Après, libre à vous d'en faire l'expérience. Les modes galvanisés sont bientôt là et je ne doute pas un instant de leur potentiel, donc n'hésitez pas à adapter vos configurations de format pour y intégrer ces nouveaux bijoux. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, celui de Sorzaku Zaku vous permettra sans aucun doute de rouler sur la route de n'hésitez pas si la Warframe vous plaît vraiment. N'hésitez pas à commenter vos retours, qu'ils soient positifs ou négatifs, meilleur moyen de m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo afin de faire connaître mon contenu à plus vaste public. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir les anciens contenus. Et les prochains, je vous dis à la prochaine sur Warframe.